Bonjour, chers élèves. Je suis M. Makaya Brunel, enseignant d'histoire et de géographie au secondaire. Le cours d'aujourd'hui est un cours d'histoire terminale portant sur les principales causes de la décolonisation. Qu'est-ce que la décolonisation? Donc, après la définition étymologique, nous avons le préfixe « dé », puis le suffixe « colonisation ». Donc, contre la colonisation, donc, nous étions dans la période coloniale, ici c'est la décolonisation, donc être contre la décolonisation. Donc, la décolonisation est l'accession à l'indépendance des peuples colonisés. Quels sont ces peuples qui accèdent à l'indépendance? Il y a les peuples d'Asie et d'Afrique qui étaient sous l'emprise coloniale. Donc, les peuples d'Afrique et d'Asie qui étaient sous l'emprise coloniale vont accéder à l'indépendance. Quelles sont les causes, quelles sont les principales causes de la décolonisation? Quelles sont les principales causes de la décolonisation? Donc, six principales causes ont contribué, au processus de décolonisation. Donc, ces causes, nous avons la première cause, la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté. Deuxième principale cause, le rôle de l'ONU. Troisième principale cause, l'éveil du nationalisme, c'est la conférence de Bandung. La quatrième principale cause, le rôle de l'élite intellectuelle. Cinquième principale cause, la position des USA et de l'URSS. Et enfin, la dernière, la position des églises chrétiennes. Donc, nous venons d'énumérer les principales causes de la décolonisation. Présentement, nous abordons la première cause. Donc, la première cause, nous avons la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, donc, c'est la première cause de notre leçon, donc le premier point. La Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté. La Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté. Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté. En quoi la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté ont contribué au processus de décolonisation? Donc, premier élément, nous avons l'affaiblissement des principales puissances coloniales, puisqu'il sied d'abord de souligner que la Deuxième Guerre mondiale a profondément transformé les relations entre les métropoles européennes et leurs colonies. Donc, il y a l'affaiblissement des principales puissances coloniales, notamment la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Outre que l'affaiblissement des principales puissances coloniales, il y a la participation des colonies à l'effort des guerres. Comment ces colonies ont-elles participé à l'effort de guerre? Ces colonies ont participé à l'effort de guerre par l'envoi des hommes. Il y a l'envoi des hommes, la fourniture des vivres et des matières premières. Donc,
Cet effort de guerre était devenu comme une sorte de dette à l'égard des peuples colonisés. Cet effort de guerre devient une sorte de dette à l'égard des peuples colonisés. La Deuxième Guerre mondiale va porter un coup très dur à l'autorité et au prestige des Européens auprès des colonies. Donc, du coup, la Deuxième Guerre mondiale a détruit le mythe de l'invincibilité du colonisateur. Les peuples colonisés ont eu à comprendre que le blanc est un homme comme tout autre. Donc, il y a la destruction du mythe de l'invincibilité du colonisateur, d'où la relance de certains mouvements de contestation. Donc, après la première cause principale, nous passons présentement à la deuxième cause, le rôle de l'ONU. Le rôle de l'ONU. Donc, il y a le rôle de l'ONU. Petit 2, nous avons le rôle de l'ONU. Petit 2, le rôle de l'ONU. Quel est le rôle de l'ONU dans l'accélération du processus de décolonisation? Il sied d'abord de signaler, dès sa création, l'ONU est une tribune de propagande pour les campagnes anticolonialistes. Donc, tribune de propagande pour les campagnes anticolonialistes, conformément au principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc, l'ONU va s'appuyer sur ce principe, le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Donc, à partir de cela, de ce principe, l'ONU manifeste son soutien systématique. L'ONU manifeste son soutien systématique aux revendications des peuples coloniaux par l'adoption de plusieurs résolutions. Donc, plusieurs résolutions seront adoptées par l'ONU pour soutenir systématiquement les revendications des peuples colonisés. Ainsi, l'ONU a contribué à l'accélération du processus de décolonisation en Asie et en Afrique. Donc, après la deuxième principale cause, qui est le rôle de l'ONU, nous passons à la troisième, qui est l'éveil du nationalisme, la conférence de Bandung. Éveil du nationalisme, donc au petit 3, l'éveil du nationalisme, l'éveil du nationalisme, l'éveil du nationalisme, la conférence de Bandung. La conférence de Bandung. L'éveil du nationalisme. La conférence. L'éveil du nationalisme, la conférence de Bandung. L'éveil du nationalisme, deux points, la conférence de Bandung. L'éveil du nationalisme, deux points, la conférence de Bandung. En quoi l'éveil du nationalisme a contribué au processus de décolonisation? En quoi l'éveil du nationalisme a contribué au processus de décolonisation? Il sied d'abord de rappeler que la remise en cause
de la domination coloniale a commencé bien avant. Donc, ici est d'abord de signaler que la remise en cause de la domination coloniale a bien commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette remise en cause prend sa source dans le système colonial lui-même. Comment alors? Il y a d'abord le travail forcé, les exactions de toutes sortes. Parmi ces exactions, il y a les réquisitions, les pillages systématiques des matières premières, la brutalité. Donc, l'ensemble de ces éléments du système colonial va susciter des révoltes. Donc, les éléments que nous avons cités, travail forcé, les exactions de toutes sortes, vont susciter des révoltes de la part des peuples colonisés. Mais une chose est à signaler, ces révoltes seront noyées dans le sang par les puissances coloniales. Donc, les puissances coloniales vont mater ces populations qui vont se soulever en Asie et en Afrique. Donc, ce qui est à l'origine du développement du nationalisme. Donc, par ailleurs, ce nationalisme va voir le jour à la conférence de Bandung qui se tient du 18 au 24 avril 1955. Donc, à la conférence de Bandung, il y a 29 États libres d'Asie et d'Afrique qui vont se retrouver pour sceller la solidarité des pays pauvres. Donc, ces 29 États libres d'Asie et d'Afrique vont se retrouver pour sceller la solidarité des pays pauvres. Donc, cette conférence a été organisée à l'initiative du premier dirigeant indonésien, Soekarno. Et Soekarno est assisté, il y avait aussi la présence de Zhou Enlai, la Chine, Nasser de l'Égypte, Gandhi de l'Inde. Donc, cette conférence est un violent réquisitoire. Donc, la conférence de Bandung, bien sûr, est un violent réquisitoire contre le colonialisme considéré comme un mal. La conférence de Bandung est un violent réquisitoire contre le colonialisme considéré comme un mal. Donc, cette conférence a défini les moyens pour lutter contre ce mal. D'où la naissance du tiers-monde. Donc, le tiers-monde qui va naître à la conférence de Bandung apparaît comme étant une conséquence. Donc, outre l'éveil du nationalisme, il y a aussi le rôle de l'élite intellectuelle. Donc, c'est la quatrième principale cause de la décolonisation, le rôle de l'élite intellectuelle. Le rôle de l'élite intellectuelle. Le quatrième point de notre leçon du jour, le rôle de l'élite intellectuelle. En quoi l'élite intellectuelle a-t-elle contribué au processus de décolonisation? D'abord, par élite, il faudrait comprendre l'élite est composée de l'ensemble
de l'ensemble des cadres formés dans les écoles coloniales. Donc, les élites à cette époque, donc les élites regroupent l'ensemble des cadres formés dans les écoles coloniales. Donc, ces cadres qui sont formés dans les écoles coloniales, il y a eu la formation des médecins, des enseignants, des journalistes, des ingénieurs. Donc, ces cadres qui sont formés dans ces écoles coloniales vont constituer un fer de relance contre le colonialisme. Donc, ces cadres vont constituer un fer de lance plutôt. Donc, ces cadres vont constituer un fer de lance contre le colonialisme en menant des mouvements politiques un peu partout dans les territoires concernés. Donc, ces cadres, nous avons l'exemple de Habib Bourguiba. Habib Bourguiba qui faisait partie de cette élite intellectuelle. Habib Bourguiba, le Tunisien. Habib Bourguiba, Tunisien. Il y a Gandhi. Gandhi, l'Indien. Zoé Carnot. Zoé Carnot. Il y a Félix Houphouët-Boigny. En Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Il y a Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux. Et nous avons pris le soin de ne citer que ces quatre dirigeants qui faisaient partie de l'élite intellectuelle. Donc, il y a parmi ces dirigeants Habib Bourguiba, Gandhi, Zoé Carnot, Félix Houphouët-Boigny. Donc, après le rôle de l'élite intellectuelle, nous passons à l'avant-dernière principale cause. Qui est la position des USA et de l'URSS. Il y a au petit 5. La position des USA et de l'URSS. C'est l'avant-dernier point de notre leçon du jour. Quelle est la position des USA et de l'URSS dans le processus de décolonisation? Commençons par rappeler que les USA et l'URSS sont deux grandes puissances qui émergent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les USA et l'URSS sont les deux grandes puissances qui émergent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Commençons par la position des USA. Quelle est la position des USA dans le processus de décolonisation? Quel rôle ont-ils joué? Donc, les USA sont une ancienne colonie anglaise. Donc, les USA ont subi la colonisation. Ils sont une ancienne colonie anglaise. Donc, les USA sont anticolonialistes. Ils sont anticolonialistes par tradition historique. Ils ont été colonisés par l'Angleterre, par tradition historique, idéologique et par intérêt économique. Donc, ils sont anticoloniales pour ces trois faits. Par tradition historique,
idéologique et par intérêt économique. Les USA souhaitent affaiblir les nations concurrentes. Ils souhaitent affaiblir les nations concurrentes. Pourquoi? Ils souhaitent affaiblir les nations concurrentes pour faire de nouveaux États des alliés et des débouchés. Donc, ils avaient un objectif à atteindre. Donc, il fallait d'abord affaiblir les nations concurrentes qui sont les puissances coloniales. Donc, une fois que ces nations concurrentes sont affaiblies, ces États indépendants, les USA devaient en faire des alliés et puis des débouchés. Par contre, l'URSS, à son tour, au nom de la doctrine marxiste-léniniste, l'URSS condamne le colonialisme. L'URSS est contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, l'URSS condamnait le colonialisme. Donc, l'URSS, elle, à son tour, elle voit aussi, à travers la libération des colonies, les nouveaux alliés. Donc, en condamnant le colonialisme, en condamnant le colonialisme, en étant pour la décolonisation, l'URSS voyait déjà dans ces nouveaux États indépendants des alliés pour combattre l'Occident. Donc, ainsi, l'URSS va soutenir les mouvements nationalistes en Asie et en Afrique. Et enfin, nous passons à la dernière principale cause de notre leçon, c'est la position des églises chrétiennes. Donc, au petit 6, nous avons la position des églises chrétiennes. Petit 6, la position. La position des églises chrétiennes. La position des églises chrétiennes. Donc, c'est le dernier point de notre leçon. La position des églises chrétiennes. Quelle est la position des églises chrétiennes dans le processus de décolonisation? Quel rôle a joué l'Église chrétienne dans le processus de décolonisation? Rappelons d'abord qu'il y a un contraste entre les valeurs morales prêchées par l'Église, donc l'Évangile. Il y a un contraste entre les valeurs morales prêchées par l'Église. Par l'Église, quand on parle de l'Église, on voit les missionnaires et la brutalité pratiquée par les colons. Quelles sont ces valeurs morales? Dans ces valeurs morales, il y a l'amour du prochain. Il y a l'amour du prochain. Il y a l'égalité entre tous les hommes. Que vous soyez un blanc ou un noir, il y a égalité. Pas de différence de race. Donc, l'Église, en prêchant cet évangile à travers les missionnaires, il y a contraste entre le système colonial. Donc, dans le système colonial, nous avons la brutalité pratiquée par les colons et ce qui va susciter une véritable prise de conscience de la part des peuples colonisés. Donc, les fidèles au sein de l'Église vont prendre conscience de ces faits. Donc, par ailleurs, il y a aussi les églises chrétiennes qui ont encouragé la formation du clergé indigène. Donc, la formation du clergé indigène et ce clergé indigène est favorable à l'émancipation politique. Donc, la formation du clergé indigène favorable à l'émancipation politique. Donc, du coup, les églises ont également lutté pour le bien-être des peuples. Donc, les églises ont également lutté pour le bien-être des peuples. Ainsi, les églises chrétiennes ont été un facteur important dans le mouvement de
décolonisation. Donc là, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Donc la leçon d'aujourd'hui portait sur les principales causes de la décolonisation. Le processus de décolonisation est le résultat de six principales causes. Donc le processus de décolonisation est le résultat de six principales causes. Il y a la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté, le rôle de l'ONU, l'éveil du nationalisme, donc l'éveil du nationalisme, le rôle de l'élite intellectuelle, donc le quatrième facteur, la position des USA et de l'URSS, ainsi que le dernier facteur, la position des églises chrétiennes. Donc, au terme de cette leçon, nous pouvons dire que la décolonisation est le résultat de plusieurs causes. Donc, la décolonisation est le résultat de plusieurs causes. Ces causes peuvent être classées en deux catégories. Donc, ces causes sont placées en deux catégories. Il y a les causes internes et les causes externes. Les causes internes, nous identifions ou nous citons comme causes internes l'éveil du nationalisme ainsi que le rôle de l'élite intellectuelle. Donc il y en a deux, l'éveil du nationalisme ainsi que le rôle de l'élite intellectuelle, donc d'une part, et l'autre part, nous avons la Deuxième Guerre mondiale, la lutte pour la liberté, donc les quatre autres facteurs, la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté, le rôle de l'ONU, la position des USA et de l'URSS, ainsi que la position des églises chrétiennes. Chers élèves, nous voici au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous séparer puisqu'habituellement, à la fin de chaque séance, nous proposons une dissertation, donc un exercice. Donc ici, nous avons un sujet de dissertation relatif à la leçon que nous venons de voir. Le sujet de dissertation, montrer que l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique principale cause de la décolonisation. Montrer que l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique cause. Montrer que l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique principale cause de la décolonisation. Nous en avons étudié six. Donc ici, il y a une cause qui nous est proposée. Donc il s'agit de montrer que l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique principale cause de la décolonisation. Donc, en vous rappelant la méthodologie de la dissertation, donc l'introduction précisément, il y a quatre phases. Donc à l'introduction, nous avons quatre phases. Donc la première phase, c'est le contexte historique. Donc, le contexte historique ici, nous sommes dans le cadre de la décolonisation. Donc, le contexte historique, première phase de l'introduction, nous sommes dans le cadre de la décolonisation. Et la deuxième phase de ce sujet, il s'agit de l'annonce du sujet. L'annonce du sujet, il y a plusieurs causes qui sont à l'origine de la décolonisation. Parmi ces causes, il y a l'éveil du nationalisme. Donc, l'éveil du nationalisme apparaît comme l'unique principale cause de la décolonisation. Donc, la troisième phase, nous avons la problématique. La problématique, il s'agit de dire, poser une question, en quoi l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique principale cause de la décolonisation? Parce que nous avons un sujet démonstratif. Donc, en quoi l'éveil du nationalisme n'est pas l'unique
principale cause de la décolonisation. Et enfin, la dernière phase, donc la quatrième, c'est l'annonce du plan. Étant donné que c'est un sujet démonstratif, il faille d'abord commencer par la cause qui est là. Donc, d'abord, l'éveil du nationalisme et ensuite les autres facteurs, les autres principales causes. Donc, les autres principales causes, outre que l'éveil du nationalisme qui nous a été posé comme problème, donc il y a la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté. Donc là, c'est la deuxième partie du développement, la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la liberté, le rôle de l'ONU, le rôle de l'élite intellectuelle, la position des USA et de l'URSS, pour terminer par la position des églises chrétiennes. Donc, chers apprenants, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. À nous revoir au prochain cours.